Ce n'était pas grand-chose, n'est-ce pas? Il était dans un lit. Sa pièce était encombrée d'étagères plus ou moins effondrées sur lesquelles reposait tout un tas de livres. Il lisait un très vieux livre dont la couverture portait un titre bizarrement écrit en lettres dorées. Camoens, œuvre complète. L'aura de ses yeux noirs ne lui laissait pas de trêve. Il s'était construit une théorie probabiliste selon laquelle chaque être humain pris dans un filet de relations sociales, culturelles, économiques et idéologiques était nécessairement amené à devoir se trouver dans telle ou telle situation. Ses souvenirs se bousculaient. Il déjeuna légèrement. Dès lors qu'il eut fini de manger, il eut envie d'aller aux toilettes. Il passa alors devant un présentoir portant de nombreuses cartes postales publicitaires, autant d'images absurdes dont, malgré sa volonté, il ne parviendrait jamais ni à comprendre la moindre signification ni à soupçonner un tant soit peu en quoi elles pouvaient le concerner. Il vivait dans la sécurité permanente d'un environnement de capteurs analysant, à son insu, les paramètres essentiels de sa santé et déclenchant une intervention à la moindre menace. En fait, les échanges qui se déroulaient sur les écrans qu'il pouvait lire n'avaient rien à voir avec le thème du débat. Il se décida à partir, sortit, prit à gauche voie des Genévriers. Descendant d'un pont, il donna à une gamine une pièce de monnaie. Comme tu vois, il n'y avait rien de dynamique dans sa voix. S'il y avait une perception de ce qui est désiré par le désir, elle se formait autour d'un noyau tangible qui échouait à s'établir en lui. Peu de mots pour résumer une vie complexe et difficile. Mais, tout de même, c'était plus que ce à quoi la plupart auront droit dans les annales de la postérité.